Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte. Je vous emmène visiter la ville médiévale de Troyes. Elle n'est pas bien grande, mais on a vite fait le tour et elle vaut le détour. Voilà, sur un week-end, sur un petit séjour, vraiment, ça vaut le détour. J'ai trouvé les massifs de fleurs de la ville de Troyes particulièrement réussis. Voici une place principale avec un manège. Il y avait ce jour-là peu de monde, puisque nous étions encore en couvre-feu. La ville regorge de maisons médiévales à colombages. Cette petite place a beaucoup de charme. On observe dans cette ville de nombreux puits. Différentes époques architecturales se mélangent. C'est une ville où il ne faut pas hésiter à lever la tête pour voir des sculptures. Pour voir les maisons à colombages qui ne sont pas toujours droites et tous les petits détails. Thank you.
encore et toujours en admiration devant ces fleurs. Il y a beaucoup de silhouettes en métal dans toute la ville. Dans cette église, on peut y observer des vitraux. Leur rouge est vraiment joli. Ces sculptures sont sublimes, tout en délicatesse. Regardez ces feuilles d'acanthe. Bonne idée d'avoir mis des cœurs de Marie dans une église, dans un jardin de l'évêché. Le jardin du blanc, des cœurs de Marie, des iris, des pivoines, de l'ail d'ornement, c'est superbe. C'est un petit paradis ici. Un petit paradis. Un ruelle des chats. La ruelle des chats dans l'autre sens. Oh, un rayon de soleil! Donc du coup, dans la rue aux chats, il y a chez Félix. C'est logique.
Le gars qui a monté son affaire chez Félix, il a tout compris. On voit une église derrière. Il est bien caché le petit chat. Hein. D'où le nom la rue aux chats. D'accord, alors ce qui est flippant, c'est que les trucs ils se touchent là-haut. Les bâtiments ils ont le même toit en fait. Les pigeons. Ah, ils sont tranquilles les pigeons à l'abri du froid. Il doit pas neiger souvent là-dessous. Cette tour est superbe. Ouais, un magasin avec une belle porte. Cathédrale qui est fermée. En espérant que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !